Bienvenue dans l'émission The Moto de Moteur.m. BMW Vision M-Next présente au Salon International de Francfort. La BMW M-Next donne une idée à quoi pourrait ressembler l'avenir électrifié du constructeur allemand. Les éléments de la BMW Turbo et de la i8 ont été adoptés et adaptés au design. Selon BMW, la voiture atteint une puissance de 600 chevaux et touche une vitesse de pointe de 300 km par heure. Un temps d'accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement. L'intérieur est très futuriste. La pièce est une nouvelle unité composée d'un volant, d'un tableau de bord et d'un afficheur appelé Postbot conçu par BMW. Derrière la cantonnière se trouve un écran incurvé transparent à travers lequel on projette sur le pare-brise toutes les informations supplémentaires. Audi e-tron A-Race. Le package de cette Audi suit l'architecture traditionnelle d'une voiture de sport à moteur central avec une cabine très avancée. Le centre de gravité de la voiture est situé derrière les sièges et devant l'essieu arrière, ce qui profite à la dynamique de conduite. Cela n'implique pas l'unité de transmission du moteur, comme dans une voiture avec un système d'entraînement conventionnel, mais plutôt le bloc batterie. Un mélange d'aluminium, de carbone et de composites multimatériaux confère au corps de l'Audi A-Race un poids de base très réduit. La voiture qui n'a que de la place pour le conducteur est alimentée électriquement et devrait avoir une autonomie d'environ 500 km. Selon Audi, le couple combiné pouvant atteindre 830 Nm, ce qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en environ 2 secondes seulement. C'était Zomoto, à très bientôt.